Je suis d'origine libanaise, mes parents sont du Liban, sont arrivés dans les années 40 à Marseille, se sont installés, qui a une amitié séculaire avec le Liban, 800-900 ans. Les Libanais parlent tous le français, c'est un pays francophile, francophone. Donc mes parents nous ont donné cette culture à la fois du respect de la République, sans omettre de nous donner aussi et de nous apprendre nos traditions, notre culture libanaise. Alors bien sûr, beaucoup parlent de la culture culinaire. Elle est très bonne, mais il n'y a pas que l'aspect gastronomique. Il y a l'aspect culturel, le Liban avec toute son histoire, le pays du cèdre. Et les Libanais, leurs origines viennent des Phéniciens, les premiers navigateurs, les premiers marchands. Donc c'est toute une histoire, voilà. Ici, on a un vivre ensemble qui est extraordinaire. Au Liban, c'est un exemple. Voilà. Plusieurs ethnies, plusieurs communautés, tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas cette relation de distance entre les uns et les autres. C'est un pays qui a un gouvernement multiconfessionnel, c'est un peu atypique. Nous, on est dans un pays laïque. Mais ils se complaisent dans cette situation. Moi, je suis chrétien libanais, mais je respecte beaucoup mes compatriotes, enfin ceux qui sont libanais, d'autres religions, musulmanes, druzes, sunnites, chiites, etc. Parce que c'est la mosaïque libanaise, c'est une fierté, ce vivre ensemble au Liban. Je travaille depuis mon jeune âge, et je travaille toujours, puis je suis encore élu, très actif sur mon secteur. Voilà en deux mots qui je suis. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être honnête à la fois dans mon engagement, d'avoir une honnêteté intellectuelle, et dans le rapport, voilà, écoute, le Liban était sous protectorat français, donc pendant la guerre, des Libanais, des Levantins, ce qu'on appelle les Levantins, ont décidé de rejoindre les forces françaises libres, de Gaulle. Donc ils ont rejoint la France, puis de Gaulle les a dispatchés. Ils sont devenus des forces françaises libres, nos parents, enfin mon père, avec d'autres. Ils sont arrivés en France, les hommes sont partis, comme on dirait, à la guerre, les femmes sont restées là, et puis quand ils sont revenus de la guerre, de Gaulle les a naturalisés par décret. Et ce décret est très important, parce que quand on a voulu, il y a quelques années, j'étais parlementaire, on a voulu, nous, les socialistes, installer à déchéance, et moi, je me suis opposé à déchéance, parce que quand ma regrettée mère, avant qu'elle décède, elle avait remis les décrets de naturalisation à ma sœur aînée, en disant « c'est un bien précieux, protège-le ». Et j'avais mesuré ce qu'était l'importance de gens naturalisés. Nous, on n'a pas eu besoin de décrets puisqu'on est nés français. Donc vous voyez, c'est un parcours qui est atypique, qui me donne une force de vie parce que ils sont arrivés dans des conditions qui n'étaient pas les plus parfaites. Et puis, ils ont contribué à aider, à libérer la France du joug nazi, etc. Ils sont aussi compagnons de la libération, ils sont compagnons du général de Gaulle. Mon père cotisait, voilà, c'était un gaulliste de gauche, moi je suis socialiste. C'est pour ça que mon engagement syndical, il est autour de l'intérêt commun, l'intérêt des plus faibles. Et puis ensuite, mon engagement politique, pareil. Je suis venu dans les quartiers nord, c'est les quartiers que j'aime, qui ont une richesse très forte sur le plan humain, des richesses humaines extraordinaires. Mais à un moment donné, il y a une séparation entre le sud et le nord. Beaucoup de choses dans le progrès ont avancé dans le nord, dans le sud, au détriment du nord. Le nord de Marseille a accumulé de tels retards en matière d'infrastructures scolaires, éducatives, culturelles, en matière de transport. Vous rendez compte qu'il n'y a aucun transport sur les quartiers nord de Marseille qui vont comme peut-être on a le tramway ou le métro ailleurs. Et là, non. Donc tous ces retards accumulés font qu'aujourd'hui, il y a un désarroi chez les populations. Ils vivent dans des logements, on a un grand parc HLM qui date des années 60. Certains bailleurs, que je salue, ont fait des efforts, d'autres pas du tout, d'autres un peu moins. Mais vivre dans les cités aujourd'hui, c'est compliqué, parce que c'est des grands immeubles où le collectif est un peu difficile, etc. Donc ces retards ont été accumulés et c'est difficile d'y vivre. Donc quand vous allez dans les collèges, les gamins dans le collège, les principaux que j'ai visités, 9 collèges, 9 visites, si les travaux ont été faits, si tous les moyens nécessaires à la communauté éducative sont au rendez-vous pour que nos collégiens, collégiennes, aient les meilleurs moyens pour avancer, pour avoir les diplômes nécessaires, mais s'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas... Voilà. Donc, les principaux me racontent que les enfants sont des fois un peu peinés, un peu...
Voilà, ils ne sont pas toujours joyeux. Pourquoi ? Parce que chez eux, c'est la précarité. Des appartements insalubres, des cités qui ne correspondent pas, les gymnases dans un état lamentable, enfin, l'infrastructure n'est pas bien. Les retards sont tellement accumulés qu'ils ont des conséquences sur la vie de tous les jours. Alors qu'on fait des stades pelousés un peu de partout dans le sud, très peu dans le nord de Marseille, mais il manque tellement. Pour les gymnases, pour les écoles, il y a un plan école, mais il faut se battre. Il faut se battre et au quotidien. Pour faire en sorte qu'on rénove, etc. Un gamin qui vient dans une école insalubre, qui a été faite dans les années 50-60, comment voulez-vous qu'il aille apprendre le savoir quand c'est triste, quand la muserie date des années 40-50 à Saint-Henri et bien d'autres endroits. Verduron-Haut, l'école à Marius Brémond, il a fallu se battre. L'eau rentrait dans les classes. L'infirmerie était insalubre. Etc. Voilà, donc il y a des combats qui ont été menés. Et dans d'autres secteurs, plus favorisés, tant mieux pour les populations du Sud. Mais moi, je suis l'élu de tout le monde, je suis dans l'intérêt général. Mais comment pouvons-nous avoir une ville à deux vitesses? D'un côté, tout se fait, de l'autre, ça ne se fait pas. La jeunesse du Sud, respect pour cette jeunesse, elle évolue peut-être dans de meilleures conditions, et quoique. Et la jeunesse du Nord, un peu moins. Donc ça s'installe chez eux et c'est compliqué. C'est le combat de toute une vie. Pourquoi? Parce que je suis animé de cet intérêt général. Et je sais que dans ces quartiers, ceux qui me font confiance, et ils sont nombreux, parce qu'aux élections législatives, 70% d'abstention dans cette circonscription. Le plus haut taux d'abstention de la République, de la France. Mais 70% de gens qui n'ont pas voté, qui n'ont pas voté pour moi, mais qui ont voté pour personne. Voilà, donc il faut rattraper l'abstentionnisme et éviter la montée du Front National. Est-ce que moi, je peux me complaire de la situation quand je vais à l'Assemblée Générale d'un centre social comme la Castellane, au plan d'AO, qu'on rappelle que chez les 18-25, il y a toujours entre 40 et 60% de chômeurs. Est-ce que je peux me contenter de dire, tiens, on les met dans des formations de 3 mois, de 6 mois, ils sortent de là, il n'y a pas de débouché parce que la filière dans laquelle on le met, elle n'a pas de débouché, et on recommence le cycle, etc. Comment voulez-vous que ce jeune dont vous parlez, ces 40% des quartiers nord, ils puissent voir dans leur esprit un objectif de rentrer dans la vie active, de créer une famille, etc. Un, il n'y a pas de logement. Il manque entre 32 000 logements sur Marseille. Bien qu'on en fasse, il n'en suffit pas. Voilà. Donc, un. Deux, l'emploi, ce n'est pas la panacée. Même si on a créé les zones franches, même s'il y a eu des emplois créés, etc., ce n'est pas suffisant. Moi, je ne parle jamais d'intégration de ceux qui sont nés là. Ça serait une insulte à ces populations. Ce n'est pas parce qu'on vient du Liban, du Mali, ou de Turquie, ou d'Algérie, ou je ne sais pas quoi, qu'on est né là, nos parents sont venus. Mes parents sont venus et on est, nous, parfaitement intégrés parce qu'on est cheville au corps avec la République et c'est le cas de ces enfants. Alors bien sûr, il y en a quelques-uns qui sortent un peu, mais c'est de partout, dans toutes les nations, dans le monde entier. Mais en grande majorité, mais vraiment en grande majorité, ils sont plutôt respectueux de la nation, de la République. Quelle est la solution? La solution, c'est de la vraie formation professionnelle. La formation professionnelle en France, c'est à peu près 30-35 milliards. La région en a la compétence depuis les lois de décentralisation de 82-83. Mais on ne l'exploite pas assez. Il faudrait qu'on exploite cette formation professionnelle sur des filières porteuses d'emplois, pas des filières où on lui apprend un métier où il y a 3 emplois tous les 10 ans. Il faut qu'on aille sur des... Il faut expliquer à nos jeunes. Alors, ce qu'ils regrettent, les jeunes, c'est qu'on les envoie beaucoup dans ce canal-là de formation qui aboutit à rien, on recommence, etc. C'est pas comme ça qu'on devient... Que l'on obtient la maturité en tant qu'homme ou femme, c'est pas comme ça qu'on crée un emploi quand on est dans la précarité. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont condamnés à être dans la précarité à vie parce que ce sont des enfants qui viennent issus de l'immigration? Non. Ce sont des enfants qui ont autant de droits que les autres. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a une ségrégation, loin s'en faut. Tout le monde essaye de les aider. Mais je dis, parce qu'on habite dans ces quartiers, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'il y ait des solutions. Il faut que celle ou celui qui prendra les affaires à Marseille, il faut qu'il crée une commission ad hoc sur les problématiques sociétales de ces quartiers où tous les mots sont rassemblés. Cette jeunesse, c'est notre avenir. Tourner le dos à cette jeunesse, ça serait une erreur monumentale. Aujourd'hui, nous sommes là, vous et moi et tous, mais eux qui poussent, les jeunes qui poussent, qui sont des ados au collège ou qui sont des lycéens ou en fac, ben, c'est à eux qu'il faut s'adresser aujourd'hui. La société de demain, elle est construite par les anciens que nous sommes, que je suis, mais la société de demain, c'est eux qui la feront. Peu importe
ils sont français à part entière. Alors on vient de là, on vient de là. Gardons nos valeurs, les valeurs de nos racines, d'où que l'on vienne. Mais pour moi, ces jeunes, ce sont tous des enfants de la France. La France doit leur donner mieux que ça. Et quand je vois tous ces jeunes souffrir dans ces quartiers, ça me peine. Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur Morel? Mais je ne suis pas un magicien. Quand on est élu, on ne me donne pas une baguette magique. Le préfet ne donne pas une baguette magique. J'essaye. Alors, bien sûr, on est critiqué. Mais qui a fait mieux? Qui fait mieux? Alors, on critique, on si, on l'a. Voilà. Moi, j'ai une chose, c'est que je suis présent. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, celle ou celui qui prendra la ville de Marseille aura pour objectif de mettre un métro qui monte jusqu'à l'hôpital Nord. Je ne suis pas persuadé. Et je l'avais dit. Donc, ça nous condamne encore jusqu'à 2026. Vous croyez qu'un tramway qui partrait de la Joëlette qui irait à l'Estac? Alors, certains diront ça défigure, etc. Mais il y a une ligne déjà qui est faite. Pourquoi? Ça serait magnifique. Alors, on met la navette maritime, très bien. On la proroge, on la rallonge de 6 mois, c'est très bien. Mais comment on peut considérer que des quartiers populaires comme ça, enclavés, n'ont pas été désenclavés avec ces transports modernes? Et quand je regarde, petit à petit, parce que les programmes ne sont pas tous arrivés, personne n'est dans une programmation de dire « je vais mettre un métro qui part de Bougainville et qui va jusqu'à l'hôpital Nord ». Quelle merveille! C'est un vœu pieux, c'est un rêve que j'ai de toujours de monter. Et un tramway, alors on nous avait parlé du tramway jusqu'au lycée Nord, puis c'est parti parce qu'il n'y a pas eu la taxe, etc. Bon, voilà, c'est compliqué, très compliqué, très très compliqué. Dans une ville comme Marseille, tout a été essayé, transport souterrain, L2, des milliards ont été mis en place et on a toujours la panique. C'est la ville la plus embouteillée de France et la plus polluée de France, je dirais de France, d'Europe, etc. Je voyage comme tout le monde dans le monde quand j'étais parlementaire, à titre personnel, à titre professionnel. Bien sûr, il y a des villes où il y a des embouteillages, mais comme Marseille, on a dépassé le Rubicon. Alors, les solutions, c'est le transport. Si nous avions des métros, des tramways, peut-être que les autochtones, ceux qui habitent à l'Estac, qui vont travailler sur le centre-ville ou autre dans la ville, ne prendraient pas la voiture. Voilà. Donc tout ça, ce n'est pas des critiques, parce que quand on critique, on va vous dire, mais alors qu'est-ce que vous faites? Mais il y a des solutions. Je vais m'expliquer 2 solutions. Pas élémentaires, qui sont coûteuses quand même. S'il y a une volonté politique, il faut qu'elle soit accompagnée d'une volonté financière. C'est, on va dire, ouais, c'est utopique, etc. Très bien, c'est utopique. Mais qui n'essaie pas, n'arrive pas. Boum, boum, boum.